Zoom TV. Bonjour ou bonsoir, mesdames et messieurs, chers téléspectateurs de Zoom TV. Bienvenue dans ActuFoot. L'international sénégalais Diomansi Camara, fondateur de l'Académie Afrique Football Elite à Bamako, vient de placer un nouveau joueur au RC Lens pour une signature de contrat de 5 ans. Il s'agit du jeune Yaya Kader Fofana, nouvelle pépite du centre. Le jeune footballeur âgé de 18 ans a été sacré récemment comme étant le meilleur joueur du tournoi des académies de l'Afrique de l'Ouest organisé par Diambar. Malgré l'intérêt de plusieurs autres clubs européens sur le joueur, Diomansi Camara et son staff ont porté leur choix sur le RC Lens, qui selon eux est un club très respectueux des jeunes joueurs africains, avec une intégration facile et un suivi dans la formation. Une opportunité que devrait saisir le jeune Yaya Kader Fofana, qui a ici une occasion en or malgré son âge, d'intégrer directement le groupe professionnel. Chose quand même très rare avec son âge à peine 18 ans, et surtout qu'il vient directement du continent africain. En ce qui concerne l'Académie Afrique Football Elite, elle a été mise sur pied par l'international sénégalais Diomansi Camara et son partenaire Serran Diabaté. Elle a pour mission de détecter et de former des talents issus de plusieurs pays de la sous-région, Mali, Sénégal, Côte d'Ivoire et Gambie. Grâce à son partenariat avec PS Partners, le centre a déjà placé plusieurs joueurs dans certains clubs européens, à l'exemple de trois joueurs, Jaurès Assoumou, Lassine Soumaoro et Ibrahima Bamba pour leur signature en tant que footballeur professionnel du City Football Group Estac 3 en France. En dehors du football, le centre dispose aussi d'une école pour former ses pensionnaires aux autres métiers de la vie. Merci mesdames et messieurs de nous suivre et on se donne rendez-vous pour d'autres sujets d'actualité. Merci, à bientôt. Zoom TV.